Hey, salut gamers et gameuses, c'est Londov, bienvenue pour cette vidéo sur... Comment ça s'appelle? Oh, je suis vraiment sur la GeForce GTX 1070 ou 1070. Donc aujourd'hui, nous allons parler performance, vous allez parler comparatif. Je tiens tout d'abord à remercier Clubic pour avoir fait ses comparatifs, ses bench, ses tests. Et donc voilà. Donc d'abord, tout d'abord, pour présenter la configuration de test, elle a été équipée d'une carte mère Asus Z1070 Deluxe. La version du BIOS étant la 1702. Top processeur Intel i7-6700K à fréquence de 4 GHz, de 16 Go de DDR4 en 2x8 Go en 2666 MHz de la marque G-Skill. Nous possédons aussi le système de stockage de 256 Go de Samsung en CI840 Pro. Et d'une alimentation, désolé, Cooler Master en 1200 watts platinum. Donc tout d'abord, parlons des performances de cette 1070 GeForce GTX. Donc avec le logiciel EVGA Precision XOC, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas comment s'appelle le logiciel, donc c'est le logiciel d'overclocking de VGA pour les cartes graphiques. Étant en soi, nous pouvons nous apercevoir que la fréquence GPU clock est de base à du 1697 MHz, la memory clock étant à 4006 MHz, le voltage lui étant à 1012, sur ce pas de souci. En fréquence boostée, nous pouvons constater une hausse d'environ une quarantaine, on va dire, de MHz en plus. Donc on va dire que c'est pas trop mal. Donc d'ailleurs, la température est à 64 pour 70 degrés. Donc voilà, ça c'est vraiment pas spécialement vraiment utile. Désolé, j'ai spoil pour la fin. Donc les specs déjà de cette carte graphique 1070, donc les versions pour le bench sont là, le pilote 368.19, la version directe 3D et la 12 line. Le niveau de fonctionnalité direct, donc c'est en fait DirectX, donc c'est la version 12. Les noyaux CUDA sont à 1920, l'horloge graphique est à 1706, le débit de données mémoire 8008 MHz, interface mémoire 256 bits, normal, largeur de la bande passante de 256,26 Go/s. La mémoire disponible, donc 16344 MO, c'est-à-dire 8 Go en théorie. Non, je suis bête, c'est la mémoire vive ça. Donc 8 Go de GDDR5, voilà. Donc c'est tout pour ces specs là. Nous allons regarder plus les specs en analysant, en comparant. Donc cette carte graphique va être comparée avec les GeForce 970, 980, 980 Ti, Titan X et Fury X et la 1080. Ou 1080 si vous préférez. Alors, bon, je m'en fous. Donc, l'interface ça reste la même. Donc pour Nvidia, nous passons de 28 nanomètres dans la finesse de gravure à du 16 nanomètres. Sur ce, aucun changement, car c'est la même finesse de gravure que la 1080. Donc dans les transistors, on en a 7,2 milliards contre 8 milliards chez la 980 Ti et Titan X.
elles sont en DirectX 12. Pas de soucis. Stream Processor, donc le processeur de stream de Flux, est à 1920 contre 2816 et 3072 pour la Titan X. D'ailleurs, je comparerai la carte graphique plus contre la 980 et Titan et Fury X. Car nous pouvons pas en fait comparer la 1070 parce que la 1060, enfin la 1070 n'est pas l'équivalent de la 970 de la version précédente. Car franchement, les écarts de perf sont beaucoup trop importants. Donc, nous, niveau prix tarifaire, donc déjà elle sera aux alentours de 500€ pour la Founders Edition. Et aux alentours des 400€ en soi pour la version custom. Il faudra qu'on m'explique pourquoi Nvidia vend sa carte graphique en Founders Edition plus chère que la custom. C'est pas vraiment logique d'après moi. En soi, ça devrait être comme ça, mais bon, enfin, c'est Nvidia après tout. Déjà, on va supprimer ça. Donc, oui, au niveau des prix, en fait, vaut mieux qu'on compare la 1070 avec la 980 et la 980 Ti et la Titan X. Car franchement, l'écart de perf entre la 970 et la 1070 est trop énorme. Et donc, c'est comparer ces deux-là, c'est incohérent, surtout au niveau du prix. Ensuite, nous avons unité de texture, donc nous en avons 120 contre 128, 176 et 192 côté de la Titan X et contre 256 Fury X. Ensuite, nous possédons 8Go de GDDR5 avec cette 1070, donc du 256 bits pour l'interface mémoire, 256Go octets secondes. Une fréquence GPU qui est de base à 1506 MHz, ainsi que la fréquence du processeur Stream, 2000 MHz GDDR5 pour la fréquence mémoire, et voilà ce qui conclut les specs. Donc nous allons passer je viens de faire un gros fail de scène. Super, je suis stupide, mais ça on le savait déjà. C'est les aléas du direct. Donc maintenant nous allons analyser les benchmarks ensemble. Nous commençons tout de suite par le benchmark sur 3D Mark. Et nous voyons que là, déjà la 1070 et la 970, vous voyez très bien que elles sont différentes, mais vraiment à ce fuck, parce que l'écart est énorme et conséquent entre ces deux cartes graphiques. Donc nous pouvons voir maintenant que la 1070, pardonnez-moi, est deuxième dans le top 3. Donc est là et devant la Titan X et derrière sa grande sœur, la 1080, ce qui ma foi est normal que ce soit en HD, en 2K et en 4K, elle reste devant la Titan X. Prochain benchmark, nous allons sur BioShock Infinite. Donc là, 1080 est première, toujours première, donc plus performante qu'une Titan X, logique. Bon, ici, la 1070 et la Titan X sont coude à coude. Même si, enfin, on peut constater que la 1070 est quand même, allez, on va dire au même niveau pour ce jeu, donc BioShock, je rappelle. Donc voilà, donc elles sont vraiment coude à coude, et purée, pour jouer en 4K, n'empêche, les gens jouer en 4K en 60 fps, ça doit être quand même sacrément cool. Mais aussi, c'est normal que les cartes graphiques soient aussi autant au coude à coude en 4K, parce que la 4K mange beaucoup de ressources. Next benchmark, on en trouve sur le petit dernier des Tomb Raider. Donc ici, vous voyez que la 970. La 1070 est devant la Titan X et juste derrière la 1080, ce qui ma foi est normal. Regardez où se place la 970, elle est à peine à 64 fps en HD contre 101 pour la 1070.
Donc franchement voilà, enfin vous voyez que on peut pas comparer en fait la 1070 et la 970, que ce soit au niveau performance et au niveau prix. Parce que on a pour 500€, donc pour la Founders Edition, nous avons une carte graphique plus puissante que la Titan X, plus performante que la Titan X, pour environ 700€ de moins. C'est correct, on va dire. Voilà. Pas du tout cheaté, on va dire. LOL. Et voilà. Enfin, faut pas comparer. Franchement, les gens. Évitez de comparer la 1070 et la. Et la 970 parce qu'elles ne sont incomparables. Donc voilà, c'est tout pour les badges. Donc maintenant, nous allons passer sur les points positifs et les points négatifs. Donc, dans les points positifs, on va avoir les performances d'une Titan X, donc voire plus efficace qu'une Titan X. La consommation plus que maîtrisée, oui, parce que là, franchement, les consommations des 1070 sont vraiment très faibles. Ensuite, nous avons le design des Founders Edition qui est silencieux et efficace. Franchement, j'en demande pas moins pour ce prix-là, qui est élevé pour la Founders Edition. La segmentation de gamme discutable Founders Edition et non Founders Edition. Ce qui veut dire qu'en fait, voilà, les prix sont bizarres. Après, c'est qu'un avis personnel, les prix sont tellement bizarres pour la 1070 et en fait pour toutes les nouvelles gammes de chez Nvidia, parce que ils vous mettent une carte graphique plus cher en Founders Edition que en édition custom. Expliquez-moi la logique là, les gens. Aïe, je viens d'exploser mes écouteurs. On s'en fout de ça. Mais voilà. Donc, dans la conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Franchement, personnellement, pour moi, c'est un coup de cœur. La 1070, c'est peut-être quelque chose qui va. C'est peut-être une carte graphique qui va encore durer longtemps, comme la 1080. Franchement, je pense que c'est deux cartes qui vont vivre et vieillir très bien. Et qu'on va finalement plus se retrouver contre elle et avec elle. Parce que franchement, bon, faut pas se leurrer que pour 500, 400€ ou 600, 700€, avoir plus puissant qu'une Titan X, c'est beaucoup plus rentable que d'acheter une Titan X. Hein. Donc voilà, franchement, j'espère franchement que j'aurai assez avec mon job d'étudiant pour m'acheter au moins une 1080, enfin une 1080. Si pas au pire des cas, bon, si ça. Si c'est plus puissant, on essaye de 1070 contre 1080, enfin bref. Et en plus c'est plus stylé en essayer, mais ça a quand même des inconvénients. Comme plus de consommation, plus de chauffe, ainsi de suite, enfin bref. Donc voilà. Et sachant que avec DirectX 12 d'ailleurs, si c'est la vérité fait que bien les sites ont raison, pour un essayer de DirectX 12, par exemple, vous avez une carte graphique à 8Go, une deuxième à 8Go. Eh bien, en soi, là, dans la logique avant, il tant que DirectX 12 puisse cumuler les deux fois 8Go. Donc, ça faisait que vous aviez 16Go pour vos cartes graphiques. Donc, franchement, ça, c'est assez pété. Bon, après, il reste à voir les tests. Donc, je suppose que de toute façon, il y en a une flopée sur Internet. Je vais essayer un peu de me renseigner et tout ça. Donc, quitte à vous mettre peut-être. Petite vidéo de 5 minutes pour vous parler de ça, donc peut-être, oui, franchement, peut-être que j'en ferai une vidéo de DirectX 12, car un des avantages et un des petits clins d'œil qu'on a pu faire avec DirectX 12, c'est que nous avons pu nous avons pu réunir nos deux GPU, un de Nvidia et un d'AMD, et c'était assez bizarre. Donc on pourra profiter à la fois des qualités d'AMD et des qualités d'Nvidia, et qui, ça c'est vraiment pété. Donc je verrai s'il y a encore, sur Internet les tests de ce couple de cartes graphiques, parce que c'était, je pense, dans mes souvenirs, c'était une R9 Fury X avec une 980 Ti en DirectX 12, et donc ce qui a permis en fait de les coupler tous les deux, c'est vraiment DirectX 12. Bon, après, je sais pas si c'est vrai en cours de nos jours, après, c'était que des petits trucs de base. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement,
Voilà, franchement, je suis content de cette carte graphique. Je suis content, j'espère que ça. Que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous laisse avec l'outro tout de suite. Allez, genre, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Cette vidéo est un peu en guillemets faite à la va-vite parce que j'ai mes examens. Je suis obligé d'étudier donc. Mais bon, bah, vous avez toutes les images. Au pire, si vous voulez, vous pouvez remettre la vidéo tout le temps et l'analyser sans mettre le son. Voilà. Parce que franchement, j'ai mes examens. Je suis en train de bosser comme un deck pour mes examens. Allez, gens, c'était Dr. Landorf. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à la commenter. C'était Dr. Landorf. Peace tout le monde. YOLO.